très drôle. Toi, c'est très drôle. Je dis, ok, merci, bah, au revoir alors, mon frère. D'accord, donc tu pars donc. Oui, oui, j'en ai parti. Ok. Il n'y a rien pour ton petit. Et non, en réalité, c'est bon. Tata ne nous a pas payé. On est venu soutenir le mouvement et tout et tout. Nous aussi, toi aussi. Donc, tu portes les chaussures là. Tu t'es marié. Hein? On sait que tu as un peu les publicités là. Attends quelque chose. Mon frère, on se bat comme ça pour que bon, quand on sera malade, on ne demande pas que cotiser. Donc, les deux qu'on a, on se bat à investir pour que. Ah. Donc, comme quoi tu es parti. Oui, mon frère, pas. Ok, pas alors. On va d'abord tchatcher rapidement avant de commencer cette soirée. On va tchatcher. Où est le deuxième micro? C'est un vendredi. C'est un vendredi. La journée a été. Voilà. Donc, ok. Donc, je vais tchatcher avec deux ou trois l'étape. Bon, il circule la table, cela existe d'abord. Je vous excuse. Alors, Dieu a dit. Frère, merci. Parce que grâce à toi, j'ai compris que l'homme peut envoyer le mal de loin. J'ai demandé qu'on filtre tout le monde qui entre. Pas de plastique. Je ne veux pas de make-up. Jamais. Et je suis surtout fier de voir qu'il y a des personnes qui sont là, des gens qui sont venus en couple, c'est seulement parce qu'ils ont les caméras qui filmaient, ils ne veulent pas venir à les maîtresses et tout. Bon, les hommes mariés comme nous, on comprend, sans vouloir frustrer qui que ce soit. Et surtout heureux pour parce que ce soir c'est un vendredi saint et on est là dans le Saint-Esprit du rire. Est-ce qu'on va proposer tes fonds pour l'autre jour, par exemple, je rentrais d'une fête. Bon, en fait, de l'accident de mon ex, elle a fait l'accident dans l'hôpital, elle était couchée, pieds bandés. C'était beau, il y avait les poulets là-bas, je me suis amusé mon gars. Elle était là, elle scolait des douleurs, elle pleurait, moi j'étais là, j'étais assis, je buvais les jus qu'on a ramené pour la visite, je mangeais le poulet. On était tranquille, tu vois, l'ambiance était bonne. En tout cas, c'est un moment comme ça, un groupe gospel est venu, ils ont commencé à nous ambiancer, Jésus. Bon, c'est vrai que là, c'était hier son enterrement. Mais mine de rien, moi je respecte Inès, mon ex, parce que Inès, il vous assure, une fille bio reste une fille pure même dans la mort. Voici comment Inès était dans son cercueil. Je vous assure. Et moi je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ça, si vous avez remarqué, tous les bobos de Yaoundé, c'est comme si les villages sont toujours loin. Il n'y aura jamais mon bobo, tu as dit ton village, c'est où tu dis c'est soir, non. On dirait que tous les bobos sortent de loin. Et du coup, en rentrant, je me bats comme je peux. Vous me suivez sur les réseaux, je ne laisse pas l'occasion à quelqu'un de venir montrer à un gars qui n'est rien, quand il sait ce qu'il faut. Jamais. Parce que chez nous en fait c'est ça. Avant c'était les chanteurs qu'on voyait comme les superstars. C'était un prestige pour un humoriste de tenir à côté d'un chanteur. Maintenant les chanteurs là, quand ils font leur clip, s'il y a pas un humoriste, il a les problèmes. Ça veut dire qu'on a un mouvement à porter. Alors je voudrais dire merci au grand frère, merci à toi. Merci à toi. Merci Jérica. Merci à toi, Ulrich. Merci à vous. Je voudrais qu'on se tienne la main comme ça, là, parce que c'était pas mon spectacle, c'était celui de l'humour. Non. Tenons-nous la main comme ça, là. Alors, ensemble, on va saluer le public et vous dire merci d'être venu, mesdames et messieurs. Allez, allez. Ah. Oh. Alice Fashion, La Unibay, LONB, Yéman, On s'amusait, on se disputait, mais à la fin on finissait par se remettre. Je croyais que tu m'étais destiné, je croyais avoir trouvé le vrai bonheur. Après tout ce temps passé ensemble, à cause d'un malentendu, tout a changé. J'ai souffert, j'ai pleuré et j'ai fini par comprendre que ma vie pouvait se renverser. Je n'ai jamais voulu que ta vie se renverse. Je n'ai jamais voulu que tu pleures. Je n'ai jamais. Quand je peux vous crier comme si c'était la fin du monde. Les flashs. Bon, après, tu sais, tout le monde n'a pas un iPhone, mon frère. En fait, voilà. Tu as vu, l'autre a carrément sorti une tablette. Allez, bonsoir mesdames et messieurs. Alors ce soir, je suis venu un peu répéter ici, tester quelques blagues au Bimoulet Comedy Club avec quelques frères qui sont là.
Mais bon, tu vois, le Cameroun, c'est le Cameroun, hein, au moment où tu t'y attends pas, ils sont comme ça. Rendez-vous dans deux semaines, ce sera le 4 juin avec Petit Gougou qui nous viendra de la région du Nord, Gabasso, non. Pour ceux qui ne connaissent pas, Petit Gougou, c'est le seul jeune métis noir qui existe au Cameroun. Allez, on l'attend. À bientôt, famille! Ah. Alice Fashion, La Oni Bay, LONB, Yéman, On s'amusait, on se disputait, mais à la fin on finissait par se remettre. Je croyais que tu m'étais destiné, je croyais avoir trouvé le vrai bonheur après tout ce temps passé.